Tout sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec Marcel. Abonnez-vous à la chaîne de José. Parlez les Borac, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match, l'affiche de la Domino's League 2, la plus belle affiche selon moi que j'ai décidé. Je vais vous prendre la plus belle affiche chaque semaine de la Domino's League 2, de la deuxième division française. Donc aujourd'hui, c'était le match entre le FC Metz et le Stade Brestois, les amis. Donc, je sais pas si vous avez vu dans l'espace discussion, je vous ai mis le programme de la semaine. Tout ce qu'il va y avoir, peut-être qu'il y aura des rajouts, je ne sais pas, j'ai pas tout fait trop mon programme encore en plus. J'ai pas tout calé comme il faut, bref, il y aura peut-être des rajouts, j'ai pas fait gaffe à des matchs, des trucs, des événements. Bon, autrement le programme, parce que la semaine prochaine je suis pas là, désolé les amis, pas de vidéo, je prends mes vacances, c'est bon. Je suis en vacances pendant 2 mois plus, il n'y a pas d'école, mais je pars en vacances dans le sud-ouest, bref. Ça vous regarde pas trop et donc pas de vidéo. Donc ouais, j'ai maintenant j'écris sur un j'écris sur l'ordi hein, les textes. Hein, regardez le classeur. Ça va être le nouveau classeur mythique de José. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo sur l'entraînement de l'OL. Des messages de joueurs de l'OL, notamment Lucas Touzard et Yacine Fekir. D'ailleurs, pour un petit rigolo, j'ai vu Marcelo, je lui ai dit il faut casser la tête à Rami en rigolant. Et j'ai dit à Bruno Genesio, au BG, comme BG c'est ses initiales. Et le recrutement s'en est où et tout. Et vous avez des pistes, il m'a dit je peux pas te dire, mais il faut du temps, ça va arriver. Bref, c'est pas. Recrutement, ça parle un peu de football. Ah oui, j'ai oublié de mettre dimanche sur mon programme le débrief de la semaine de l'OL. Voilà, j'ai oublié, je vous le dis, toutes les semaines, à part la semaine d'après, du coup, je pense pas que je pourrai le faire puisque je serai en vacances, je veux pas suivre l'actualité. Mais bon, passons tout de suite à la vidéo. Donc, c'était le match entre le Stade Brestois 29 et le SMS, première journée de Domino's League de 2018-2019. Donc, pour commencer, c'était au Stade Francis Leblé à Brest, entre Brest et Metz, comme je vous l'ai dit, les compositions d'équipe avec Larsonneur, Bernard, Weber, Bellotto, Castelletto, Bekelba, Ngoma, Autrey, Ayas, Aï, Charbonnier et pour le reste, pour Metz, Alexandre Oukidja, Mathieu Udol, Marvin Gakpa, Tofila Sunzu, John Boy, Jonathan Rivierez, Mamadou Fofana, Renaud Kouad, Farid Boulaya, Ibrahim Diane et Open Get, les deux derniers que j'ai dit, on en reparlera un peu après. Bon, il y en a un que j'ai pas mis dans, vous verrez dans les tops, j'aurais pu le mettre, j'ai décidé de faire un choix, on va dire qu'il peut être dedans, voilà. Donc, j'ai marqué 2-3 trucs déjà hors match, une très belle ambiance, très belle pelouse aussi, il faut l'avouer, en Bretagne, il y a des très belles pelouses, par exemple, bah, à Brest, l'année dernière, Guingamp a été élu plus belle pelouse de Ligue 1, une très belle ambiance, une ambiance digne de Ligue 1, voire peut-être plus, on va pas dire une ambiance de Coupe d'Europe, mais déjà c'est pas mal pour un match de Ligue 2, il n'y a pas souvent des ambiances comme ça. On connaît Strasbourg en National, par exemple, en 3ème division, où il y avait une super ambiance, mais où il y a Lens aussi, mais il y a des stades où en Ligue 2 il n'y a pas d'ambiance, et dès qu'ils montent en Ligue 1, l'ambiance monte bizarrement. Bref, et un très bon arbitre aussi, on va le noter, c'est dans les autres trucs du match, voilà. Les trucs autres que les actions et tout ça du match, qui prend les bonnes décisions, j'ai noté, et qui laisse beaucoup jouer. Ça, c'est bien un arbitre quand il laisse beaucoup jouer. J'aime bien ces arbitres comme ça. Alors, première mi-temps, alors 13e minute, un bon corner tiré et une bonne tête, un corner qui vient de la droite et une bonne tête de Nian qui croise bien ceci. Les défenseurs brestois complètement à la rue, ils étaient beaucoup dans la surface. Il est mal placé, tout ça, il prenait personne au marquage. Et voilà. Et Metz domine logiquement les 20 premières minutes, mais joue en contre. Et on va avoir par exemple un bon réflexe de Larsonneur à la 19e minute, car il avait anticipé une frappe croisée, mais il revient sur ses pas et fait un arrêt, ce que j'ai noté. 27e minute, le premier corner du match pour le Stade Brestois qui n'a rien donné d'ailleurs. Un match quand même avec de l'intensité, j'ai marqué. 25 minutes, Brest commence à essayer de monter la pression, mais va tenir 10 minutes, même pas à peine. Et ça va être de la domination stérile, pas savoir quoi faire du ballon. Et après, Metz va reprendre vite le match à son compte en jouant en contre.
Et à la 45e, dans le temps additionnel de la première mi-temps, 45e plus une, un centre messin venu de la droite a failli être repris par Nguet. Alors, je le dis qu'on en reparlera, mais on va encore en reparler. Et, du bout du pied, mais le gardien brestois sort un arrêt. Un beau match, quand même, j'avais envie de dire. C'est pas un, on aurait pu, ça pourrait être un match de Ligue 1, hein, un match comme ça. Enfin, l'affiche, non, ça c'est pas de grands clubs. Donc, enfin, des clubs qui étaient en Ligue 1 passent un moment, mais pas des grands clubs parisiens, mais une belle affiche avec des occasions et tout ça. Et du coup, je conclue la première mi-temps en disant que Metz domine et mène logiquement. L'équipe de la Moselle joue par contre, comme je vous l'ai dit, arrive à récupérer des ballons, j'ai vu aussi, assez haut, et va mettre la pression, ce qui fait que les Brestois ne savent plus quoi faire du ballon, on fait n'importe quoi, des mauvais contrôles, des mauvais passes, et les Messins avec leurs joueurs physiques et qui vont très vite, vont vite vers l'avant, et voilà, des occasions qui auraient pu aller au fond. Notamment en première période, donc les 7 en première période pour Metz, 53 possessions pour Brest. Hein. Je m'emmène un peu, 4 tirs cadrés à 0 pour Metz, 78% de passes réussites à 75%, on s'en fiche un peu, mais je vous le dis quand même, pour Metz encore 78%. Hors-jeu 1, hors-jeu chacun, 2 corners pour Metz, 1 pour Dijon, pour Brest, 9 centres par contre Brestois contre 7 Messins. Zéro jaune de chaque côté, zéro rouge, voilà, il n'y a pas eu de carton dans ce match. Plutôt rare dans un match de football qui n'y ait pas de carton quand même. Surtout dans le football de maintenant où c'est très très physique. Voilà. Donc en seconde période, toujours pareil, beaucoup d'erreurs techniques de Brest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui aurait pu coûter, comme je vous l'ai dit aussi un peu, je vous l'ai fait comprendre, je ne vous l'ai pas dit comme ça, très cher aux Bretons. Et heureusement, il y a eu Ganin qui s'est interposé plusieurs fois. Et par exemple à la 60... non, oui, non, ça c'est ok. Et plusieurs fois, surtout en première période, il n'y a pas eu trop d'occasions en seconde période, un peu moins quand même, il n'y en a pas eu tant que ça, j'ai trouvé. Mais comment dire que une possession stérile encore pour Brest et comme en première période et Brest ne sait pas quoi faire du ballon. Moins d'occasion qu'en première période. Engels de partout sur le front de l'attaque pour Metz. Et 76e minute, une seule vraie occasion, si c'est la seule à mon avis brestoise. Une frappe qui va sur la transversale, Messine. Mais bon, voilà. Donc en conclusion de ce match, j'ai envie de vous dire un match qui est parti sur des chapeaux de roue, mais qui s'est calmé en seconde période. Des Brestois inexistants ou presque, et des Messins jouant par contre, mais en faisant très mal avec le physique et la vitesse de ses attaquants. Voilà, maintenant on va découvrir les stats du match. Alors, que ça va repartir pareil en seconde période avec des erreurs techniques, comme je vous l'ai dit, pour Brest, qui ne savent pas faire quoi du ballon, qui font des mauvaises passes, des passes dans l'axe, tout ça, des mauvais contrôles. Et ce qui aurait encore pu coûter très cher, comme en première période, à Brest, qui aurait pu prendre 3 buts ou 4 de plus. Si je ne vous l'ai pas dit, bah, je vous le dis. Comme moi, si je vous l'ai dit, bah, je vous redis. Et donc possession stérile pour nos amis brestois qui savent pas quoi faire du ballon, comme je viens de vous le dire. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait moins d'occasions en première, mais on va voir les stats après, elles sont assez flatteurs. Et donc il y a un petit jeune joueur là que j'ai remarqué du côté des Stemets, c'est Open Gate qui est partout sur le front de l'attaque. Et on va voir la 76e minute, la première et la seule. Vraie occasion pour le Stade Brestois avec une frappe qui va finir sur la transversale d'Oukidja, du gardien Messin. Mais bon, ce match en conclusion, je vais dire qu'un match qui est parti sur des chapeaux de roue, qui après s'est calmé en seconde période, des Brestois inexistants ou presque, et des Messins qui jouent par contre, mais faisant très mal avec le physique et la vitesse de leur attaquant. Voilà pour. La deuxième période du match et la conclusion du match complet. Alors, les stats sont assez flatteurs, non? Il y a eu à peu près pareil, autant d'occasions qu'en première qu'en seconde. Alors, 54 de possession à 46, ça a baissé d'un pour cent pour Metz, près 1% pour Brest. 4 tirs, bon, un tir plus pour Brest hein, au terme du match, donc
13 tirs pour Metz, 6 tirs de plus, donc oui, un peu moins, 2 tirs de moins pour Brest en seconde période, et un tiers en seconde qu'en première, et un tiers de moins pour Metz, mais les stats sont assez flatteurs, j'aurais pas couru. Bref, voilà. Un tir cadré, le seul du match, hein, ce tiers en seconde période pour Brest. Et encore non, c'est la transversale, donc le site hein, se trompe un peu. Bref, 0 tirs cadrés et 6 tirs cadrés pour Metz. Et coup franc, 13-13, j'en fiche un peu. Corner, 5-2 pour Metz. Et voilà un peu pour tout. Les fautes, on s'en fiche. Bref, voilà. Donc on voit que les stats sont quand même en la faveur de Metz. Et j'ai envie de dire que le football de maintenant, c'est plus mettre des coups. On voit, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Coupe du Monde, où... on va voir le Brésil avec des joueurs très très techniques et qui vont rien faire du tout face à des Belges qui mettent des coups. Ou la France assez physique quand même avec des Nzonzi qui n'a pas trop joué, des Matuidi, des Pogba, des Kanté, malgré que Kanté est petit en taille, sans être discriminant envers les petits. En défense, c'est très costaud par Hernandez, Varane, Umtiti, mais bon, voilà, face à l'Argentine qui est plus technique, on a vu que c'est la France qui a remporté les duels. Bref, on va pas reprendre tous les exemples de la Coupe du Monde, mais voilà pour vous dire tout cela, les amis. Maintenant, on va découvrir les stats de l'homme du match dans quelques instants. Stats de l'homme du match, c'est Opa Nguet que j'ai décidé de mettre avec. 11 ballons joués, 11 ballons gagnés, 21 ballons gagnés, 21 ballons perdus, égal. Dites-le moi si je me suis trompé, parce que je sais pas, j'ai vu ça sur le site de la LFP. Bref, 55% de possession de passe, donc peut-être qu'ils se sont trompés aussi, parce que égal à chaque fois, ça m'a paru bizarre, mais bon, bref. 55% de passes réussies, bon, pas beaucoup. Un tir et 0 cadré, 0 hors-jeu, un centre, 5 fautes subies. Une faute commise, donc c'est là j'ai pas trouvé les stats des dribbles et tout ça, mais c'est un joueur qui va provoquer quand même. On voit c'est souvent les joueurs qui provoquent qui obtiennent les fautes. Un joueur qui provoque pas, il va pas obtenir souvent des fautes, j'ai envie de vous dire. Mais c'est aussi des joueurs comme ça qui font beaucoup de fautes comparé à lui qui n'a pas fait qui en a fait qu'une de faute dans ce match au Opa Nguet. Voilà, normalement les joueurs qui subissent des fautes en font autant qu'ils en subissent, voire plus parce qu'ils sont énervé. Voilà pour les stats de l'homme du match. Maintenant, on va découvrir les tops et les flops. Alors, les tops et les flops avec Opa Nguet. Encore lui. J'ai mis des notes là, 8 sur 10. Il a beaucoup tenté, comme je vous l'ai dit. Comme je ne l'ai pas dit, mais bon, là, je vous dis, tenté. Et donc, il a raté des choses. Mais on a réussi d'autres. Donc, c'est normal, quand on tente beaucoup, on en réussit. Il y en a qu'on rate et d'autres qu'on réussit. Après, je vais mettre monsieur l'arbitre, monsieur Wattelier, dites-le moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires. Lui, je vais lui mettre, Engage, je mets 8 sur 10, lui, je vais lui mettre 10 sur 10, parce qu'il a été vraiment parfait, monsieur l'arbitre. Comme je l'ai dit avant, aucune erreur, laisse beaucoup jouer. Voilà, un bon arbitre, voilà, on voit que ça existe des bons arbitres. Et je vais mettre le gardien Bresto, malgré qu'ils ont perdu et qu'ils ont encaissé un but, c'est pas trop de sa faute, c'est de la faute de ses défenseurs, comme je vous l'ai dit. Donc oui, grâce à lui, Brest n'a pas pris une débandade. On aurait pu en prendre 3 de plus, voire 4, sans être mytho. Voilà. On aurait pu en prendre plus et heureusement, grâce à lui, ils n'en ont pas pris. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer qu'au goal à virage, j'ai moins qu'un moins, ou mieux d'être un moins 3 ou moins 4. Bref. Alors, j'ai mis qu'un flop, là, j'ai mis la défense, lui, j'ai mis 6-5 à l'Arsenal, 6,5. Alors, j'ai mis la défense brestoise en flop, vraiment très très mal placée, qui se fait prendre de vitesse dans le dos de la défense, dans son dos aussi, bref. Voilà, je lui ai mis 3 sur 10 à cette défense, qui est pas du tout superbe. Bon, après, c'est le début de la saison, donc il va falloir se mettre dans le rythme et tout ça, mais... normalement, les matchs de préparation, c'est fait pour ça. À ce qui paraît, j'ai pas regardé les matchs de préparation de Brest. Ils ont fait une bonne préparation, mais ça peut être flatteur, une bonne préparation. Par exemple, vous prendre l'exemple de Lyon l'année dernière, qui a fait une super préparation et qui a fait après de la merde. Bon, on a quand même fini 3e du championnat, mais a eu beaucoup de bas et moins de haut. Voilà, excusez-moi pour les mots que je viens de dire, mais voilà.
et a fait aussi pareil en Ligue Europa, pas super. Et là, donc des fois, une mauvaise préparation peut faire réfléchir dans la tête des joueurs et qu'ils en font une bonne après. Ils font une bonne saison après. Ou alors, des fois, ou alors, et alors qu'une bonne préparation peut les mettre trop en confiance et qu'ils fassent une mauvaise saison après. Mais on verra comment ça se confirme pour ces deux équipes qu'on retrouvera, à mon avis, dans cette année. Pour un, il y aura encore des affiches avec eux, bah, match retour, je pense. Et d'autres affiches. Pour Metz et d'autres affiches pour Metz dans les plus belles affiches de cette Dominos League 2 qui s'annonce très alléchante cette année et je vais suivre plus que je suivais l'année dernière, je suivais quelques matchs et l'année dernière j'avais découvert Fernand Mendy, je me suis dit oh là sachez-le par exemple, je prends cet exemple là, je suis de la Dominos League 2, on me prenait peut-être pour un fou, j'avais suivi le joueur, je regardais j'ai regardé 2-3 matchs de lui et j'ai trouvé super bon, bah, ça n'a pas raté, il l'a acheté et puis est devenu super fort, meilleur latéral gauche de la saison dernière. Voilà les amis pour tout ça. Un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Kishel Pali, c'était Josani Ofut, à la prochaine.